Oh merde. Alors. Bonsoir. Oui. Salut. Bonsoir. Alors, tac. Tout le monde a même pas voté en 50, c'est beau. C'est au taquet. Tu t'es trouvé un bouclier, Crip, ou pas? Je l'avais déjà vu. Magnifique. Fais chauffer tes meilleurs kicks. Il y a quoi en potion d'alchimie, tiens, qui peuvent aider pourtant? Du coup, entre chaque spell, j'ai le temps d'avoir la... Oui, large, très très large. C'est tous les 20 secondes, un truc comme ça. Ok. Donc, je crois que... Le gros de bouclier, Alice. Et le nom du spell, c'est... Pétrification. T'as les quoi, j'ai pas entendu que... Putain, Ibra. Je te les link. Ah oui, alors, ouais... Je pense que c'est le mieux, en tant que... Ouais. Ça peut être sympa, après ça vaut le coup peut-être prendre des potions. Si tu veux pas, ça, ça sinon. C'est les deux. Hein. Ah oui, là, c'est un élixir, l'autre c'est une potion, ok. Ouais. Ok, attends, je regarde, ok. Parce que niveau stats, effectivement. La force. Non, 8 de force, je m'en carre. Non, ça, je m'en fous. Ouais, je pense que je vais prendre des potions de soin et ce truc-là. Alors, ça coûte combien cette histoire? Ah, 85 PA quand même. Hein. Peut-être rester aux potions de soin. Pardon ? Il dit non, deux sur le Discord. Oh. Ça va arriver de toute façon. Qui va t'en flageller ? Hop, deux piles de 5. Ok. Ah bah, c'est les deux. Hein. C'est le duo infernal. Ok, logiquement, on devrait être pas mal hein, pour le raid. On a beaucoup de distance, ce qui va aider pour les boss. Je suis pas trop inquiet. Fais voir, t'as fait quoi de beau côté groupe, donc Prêtron, Brûléki, ça c'est cool. Atrix avec la PA, c'est bien. Ok. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. T'as été, tu joues aussi avec le... T'es en full précis là, Atrix, donc t'as le... J'ai oublié le nom du bordel, PA. Enfin, oui, pour de... précision. C'est ça. Nickel. Ça, ça va être pratique pour Crip et moi. Ouais, on est pas mal, hein. Bah, let's go. Alors, on a un beau raid, hein. Le stuff sera pas incroyable, mais au niveau des classes, c'est pas banal. Niveau des heals, c'est un peu particulier d'avoir deux... De pâle, mais comme on a deux prêtrons dans chaque groupe, ça va quand même énormément aider sur le heal de groupe, donc bon. Notamment quand on débosse contre le quatrième, il y a pas mal de heal de groupe à faire, là, ça veut dire après vous avez le guide de lumière tous les deux, donc bon. Non, ça va être propre. Ouais, propre, ça va être propre. On va faire juste, hein, je vais rajouter. Mais moi, une promo, s'il te plaît. Pas de soucis. Hop. Merci, je vais faire ça. Voilà. Comme ça, vous m'avez bien les healers. Merci. Ça, c'est même toi qui va pouvoir t'amuser avec les loot. Ah non, c'est moi. Oh, fais chier. Tac. Pas de soucis. Voilà. Je relancerai encore, pour les motiver, un BFD ce soir. Après le oui, il faut que j'aille avec bah, mon palais, de toute façon. Voilà. Tab, tu veux quoi de beau là-bas? Toi, la perle, non? Les gants. Le nom que j'ai déjà, c'est les gants. Moi aussi. Oh bah écoutez, les gants. J'en veux même plus. Et les gants? C'est quoi les gants? Quel gant tu... attends. C'est du cuir. Ah. Alors attends, je les cherche. Parce qu'il y a les gants qui font nature sur et heal. Calris. Ouais, ceux qui font nature et heal, c'est ça? Yes. Ah. C'est putain, ok. Ok. Ouais, je pense que je prendrais le... Attends, je fais le mage. Ouais, je prendrais le druide ce soir. Parce qu'il a, il a les deux barres, ça fait un bail que j'ai pas joué, donc bon. On prendra le druidou. Ok. Ouais, donc je ferai ça, pareil, on fera une petite pause. Hein. Et je ferai ça... tranquillou. Je ferai pas sur les scores, par contre, je pense que je le ferai dans mon lit, pépère. Le BFD. Ah, BFD, ouais, tranquillou. C'est ça. Le plus dur, c'est de s'y retrouver là-bas, quoi. Hop.
Est-ce qu'on a des gens là qui sont pas devant? Non, ça a l'air bon. Ouais, on est les derniers arrivés avec, je sais plus qui est derrière moi là. Avec Soft et Xela. Qui sont en train de bouger. Très bien. Il y a Anko qui arrive. Et Tsuko. Il est dedans, je crois. Ouais. Alors, ouais, il est dedans. Impeccable. Il sait jamais être avec tout le monde pour rentrer dans les. Ah bah ça. Faut prendre. Un Tsuko. Oui, il parle pas. Ouais, sinon vous arrêtez de slacker, vous allez devant, il y a des TP, vous avez plus des mecs qui t'en parlent. Alors notre TP c'est Anko, il est toujours pas là. Ça c'est vrai que s'il y a du pub c'est toujours cool. Du démo devant, c'est vrai que c'est toujours cool. Donc ouais, dans ce soir ça devrait être pas mal logiquement. J'essaie de réfléchir mais je vois pas trop ce qui pourrait nous. On est d'accord que tout, c'est les rerolls donc tout le monde connaît les strats, donc ça c'est chouette. Parce que même si le DPS est un peu plus faible, ça devrait le là je suis pas inquiet. La ménagerie, on a full distance donc Balek. Ouais, on est pas mal, on a plein de palas pour protéger sur le troisième pour les avec des protes. Donc même si ça dure un peu, c'est pas un souci. C'est pas mal. Go directement devant si vous voulez faire le tech bot ou je sais pas quoi, on pourra le faire plus tard. Mais là, go devant. Faudrait que je sois là pour le tuer. Hop, dessus, on le fera. On pourra le faire après pour avec les motiver. On a vraiment un raid pas banal. Hein. Deux Druleki, deux Prêtrons, deux Palahil. C'est assez rigolo en termes de répartition de classe. Hein. Atrix, bon courage avec la découverte du de l'aspect précis. J'espère que t'amuseras bien. Ok. Anko, logiquement, t'as pas de trash sur le chemin, t'auras pas de problème. Et je crois que Zela nous a rejoint. Au pire, il y a 15 démos devant. Est-ce qu'il y en a un qui va faire un portail? J'ai pas l'impression. Non, ils ont pas l'air motivés, donc on va t'attendre dedans. On va pouvoir faire les premiers trash. On buff. Let's go, les gars. Dans les... Ouais. Béné, bah. Je vais mettre. Tu mets quoi de beau, toi? Je vais mettre la. Ah, t'as mis la lumière partout? Ouais, c'est fait. Ok. Je vais mettre les saluts dans ce cas-là, moi. T'inquiète. Je vais mettre les saluts sur tout le monde. Tu mets les saluts sur tout le monde, donc ça veut dire que moi je mets les PA. Et les. La sagesse. Crip fera juste que tu l'enlèves pour le premier. Et on est bon. Tu mets les PA, ok. Sympa. Ok, ah bah allez, let's go. Alors pour les trash, t'emmerdes pas, hein, tape, creep. Vraiment, t'es en furie là en plus, c'est ça? Il faut que je monte un peu ma compétence de hache. Ah, fais ta place, pas de soucis. Non, je suis à 195 ou 197 sur 200. Après, tu vas voir, en fait, en gros, le meuble que tu vas faire, t'auras même pas besoin d'avoir l'agro. Enfin, d'avoir l'agro. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura personne d'autre qui va le taper. C'est juste en gros, il a une. Donc il fait la pétrification, ce qui. Bah, pétrifie le tank, ce qui est un peu casse-burne. Et donc c'est pour ça qu'on met un 9 tank dessus, qui gère ça pendant tout le combat, pendant que les autres tapent. Pendant que l'autre tape le boss. On a essayé hier d'ailleurs avec le roster bleu de le faire sans. En monotank, avec du kick dessus, ça n'a pas été une bonne idée. C'est vraiment mieux de le faire à deux tanks. Coucou Tiberias, bonsoir à toi. On n'a pas de mago, non, effectivement. On n'a jamais dans le cœur les mages, mais non. Va falloir, j'espère que vous avez un peu de flotte de côté. Absolument. Excellent. Magnifique. Ok. Tout le monde il est là, donc les derniers buffs, voilà.
Y'a que lui, je crois. Ouais, y'a que lui, en fait. Ok. Go régène. On va lancer... Vous allez pouvoir régène hein, pendant l'event. Ça va le faire pépère. On relance direct. Tout le monde est là? Ouais, ok. Semble vrai. Let's go. Mais j'en crie, tu as fait le raid ou pas? J'ai un doute, je sais plus. Si, si. Ok, d'accord. Donc, ouais, il y aura juste. Donc, il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Si, c'est quand Grubby, ça va être dernière vague, hein, c'est le boss. Et le croco, tu prends le croco, tu le mets dans un coin et puis basta. Je me mets dans un endroit spécifique ou... Non, non, vraiment, c'est tout ce qui compte. Le focus absolu là qui est important, c'est le kick. Tu gères le kick dessus, on est tranquille jusqu'à la fin du fight. C'est juste ce kick qui est important à faire. Y a pas d'histoire d'un. Non. Logiquement, les ZAD, je pense que je les récupérerai avec le bout vertueux, donc je les amènerai. Il bougera peut-être un peu le boss, mais je les amènerai dans le poison. Je les passe pec, non plus. Oh, t'as vraiment pas besoin, hein. Là, la seule chose, même au niveau des talents, au niveau des runes, te fait pas chier. Hein. Ouais, non, c'est juste qu'il est c'est vraiment juste le kick. Il est resté, pour? Pour quel truc, Niven? Tiens d'ailleurs, au niveau des auras... Sur, sur ah, ça marche. Au niveau des auras... J'ai mis la concentration. Ok, et Gigi, tu mets la vindicte? Bah j'ai l'impression que c'est pas partagé. Ah? Attends, mais vous êtes tous les deux dans le même groupe de toute façon. Ouais. Ah oui! Effectivement, ouais, bah c'est pas grave, alors je reste en dévotion, ça ira très bien. Pas de soucis. Dévotion, ça le plus utile, ça fera le taf. Pour ceux qui n'ont pas trop de quoi régen, là, au cas où, allez-y mollo, un côté mana, en fait du clic droit. Il déchire vite, de toute façon. Les béné, il reste combien de temps? 6 minutes, ouais, c'est large. Le poison. Yep, go dedans. Go, 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 si vous avez les ZAD. T'as le bordel se barre, en plus. Oh l'enfer. Allez, voilà. Quand la boule de poison pop, tout le monde va sur les mobs et le tank va sur la boule. C'est le plus simple. Ça roule. Ouais, il y en a certains qui viennent pas, tiens. Ouais, quand la consécration met trop de temps. N'oubliez pas, le prochain truc, tapez pas, ça sert à rien, c'est du poison, la prochaine vague. Vaut mieux que vous tapiez pas, comme ça j'ai l'aggro et je les fais tous péter. Et ensuite ça sera Grubis et son pote le croco. Voilà, où est le poison? Ok. Oh bah c'est parfait. Allez, paf, salut. Ok, Creep, prépare-toi. Alright. J'aurais peut-être les deux au début, c'est pas grave, tu récupères et tu kicks quand tu peux. J'ai fait un beau raté. Ok, allez, c'est parti. Go Grubis, les gars. Dès que tu peux récupérer le... Ah, t'es... Ok, tu t'es fait... Pas de soucis, c'est pas grave. En vrai, récupère-le, voilà, tranquille. Au pire, il va sur moi ensuite. Ce qui est pas grave, comme ça. C'est bon, c'est récup. Putain, le changement de cible. Voilà. Alors, il le problème aussi, ça. Les ZAD. Okay. Pourquoi il pète pas? Ah, c'est. Bah. Je les récupère. Venez dans ma consécration, ceux qui ont des ZAD sur la gueule, au pire. Je suis obligé de garder mon taunt pour le boss. Parce qu'il a tendance à. Y a... Si vous avez un ZAD sur la gueule, vous voyez du poison, amenez-le. J'ai pas de taunt, Timra. Okay. Attends, je te remets là. Salut. Et c'est bon.
Le poison, ramenez là dedans. Voilà. Dispel sur Xela si vous pouvez. Putain, il fait des changements de cible ce bateau. GG. GG. Il a fait un mob tout le long sur le cul et qui m'a pas lâché. Il a tout le temps changé la grosse bâtard. Insupportable. Les objets salis, moi je les file direct dans l'ordre des. Du kiki, enfin du pied du kiki, n'importe quoi, excusez-moi. Du bordel, j'oublie le nom. Pas grave. Gigi, pas là, vous voulez Oui ou non, pas. Non mais c'est pas le plus utile. Ouais, rien à foutre. De toute façon, pas d'utile. Gorol, tous les deux. Bon, allez. Donc on fasse ça vite. Une fois, deux fois, Gigi. Ok, la ceinture. Ah bah écoutez, moi je vais roll aussi. Pour le coup, ah ouais. En plaque. Hop. C'est pas la bis, mais elle est déjà pas mal. Pas la nil. Mais après, il y a de la force dessus. Il n'y en a pas une avec du healer par hasard. Pas en plaque, mais il faut. C'est en. Non, je dis pas de bêtises, c'est en tissu que t'avais vu. C'était le. Je sais plus là. Je regarde vite fait. C'est quand tu cherches. Une ceinture. Si, il y a celle-là. Non, il y en a une en plaque. Après, elle fait pas, mais elle fait du MP5. Ouais, donc c'est pour toi. C'est ça. Hop, merci. Et le meilleur loot, Gorol, tous ceux qu'ils veulent. Le loot du débile. Allez-y. Imra une fois. Imra deux fois. Imra, trois fois. GG. Et merci pour la ceinture. Ah, avec force comme ça et en spell power, elle va vraiment être top. Et puis c'est en plaque, donc ça augmente l'armure. Toujours plaisir. Je crois pas qu'il y ait mieux en tank. Je vérifie, il me semble pas. En DPS, il y a mieux, mais pas en tank, il me semble. On en a une qui fait 17 force, 5 endus en plaque, mais c'est moins bien. Ah non, je crois que c'est vraiment le top. Hein. Ouais, après voilà, t'as pas de heal power effectivement sur celle en plaque, mais t'as du gros MP5, c'est beaucoup hein, 5 MP5 pour le coup. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Et Imra, tu génères plein d'aggro en fait. Impressionnant. Ah ouais. Bon, après c'est sûr, le premier boss est tellement débile, je sais jamais, mais ouais, c'est galère de tenir. Après d'habitude c'est Soft qui prend l'aggro, mais vu qu'il est pas là, je prends le relais, tu vois. C'est ça. Mais après comme il reset tout le temps ce con, t'as là il a reset, il courait, c'est très... Très chelou, on va voir sur le prochain boss. Atrix, tu joues, t'as la rune pour caler les pièges en combat ? Oui. Magnifique. Je le mettrai quand tu auras les abeilles. Ouais, merci beaucoup. Impeccable. Crit, tu peux repasser en full épaisse. Hein. Maintenant, full taper jusqu'au 5ème boss. Donc, pardon ? C'est un pour le coup, au contraire. On veut profiter de ton DPS. Parce que tu as insinué qu'il l'avait pas déjà fait. Bah non, mais il a un bouclier, non ? Moi, j'ai cru le voir avec un bouclier, c'est pour ça ? Non, c'est pas vrai. Ah merde. My bad. Je pensais vraiment que t'avais un boubou. J'ai pas regardé le kiki hier. Non, mais je vais vous laisser. Je promets c'est que j'ai vu avec un bouclier. Enfin, dans ma tête en tout cas. Mais je suis metteur, j'ai même pas fait hier. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça. Ah putain, le problème c'est qu'il a déjà dû reset. Non, c'est bon. Oh non, Imra, t'as bien tapé hein, sur le boss. Mais ouais, c'était. Putain, les pics. Après, c'est qu'on peut jamais monter sur ce second boss. Donc... Toujours compliqué. On va voir sur le prochain si c'est juste le premier qui est complètement débile ou si c'est moi qui suis un peu à l'arrache. Bon, c'est peut-être moi qui tape beaucoup, hein, pour une fois j'ai plus mes consos et tout. Hein. Trop puissant les mois. Pour un fait trop fort hein, peut-être. Hein. Peut-être, on sait pas. On y est. On m'a entendu. Ah oui. Tac, on va revenir après. Je sais pas qui met la PA, mais je veux bien qu'on me remette la PA à la limite. Ouais, c'est moi. Ah, mais les deux healers sont pas là. Flûte, qu'est-ce que vous. Ah, non, on peut venir quand même. Oh, tout de suite les grands mots. Tout de suite. Et comme on a beaucoup de mana. Ça. Il y a beaucoup à la
Là, donc, on aura quoi? On aura marteau de justice, on aura du brise-genou, de la patinoire. Oh, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout pour les gérer, les ZAD. Avec la patinoire, c'est tellement fabuleux que bon, ça change vraiment tout le fight sur les ZAD. Là, reculez un peu, il y a le boss. On va faire attention quand même. Ok. Changez votre mana, les heals. Il y a un mob ? Ah oui. My bad. Ah, bah c'est là, reculer. Ah, ça aurait été bien de le prendre là, mais avec un LAD en plus, c'est un peu relou. Régène, au cas où, on va voir jusqu'où ouais, il s'avance. Imra, t'es en train de picoler ? Ouais. Il y a que toi.